Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui nous vise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes des chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Oh oui, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes des chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Nous marchons, nous marchons. Côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Le monde saura que nous sommes des chrétiens. À l'amour dans nos actes sont. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes des chrétiens. Que le Seigneur soit glorifié. Levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 90. Psaume chapitre 90. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 90, nous lisons la parole de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Amen.
éternel est dans le camp. L'éternel est dans le camp. L'éternel est dans le camp. Moi je garde confiance. Confiance en toi, notre Père, parce que tu demeures toujours présent. Merci pour cette consolation, mon sauveur béni. Nous sommes ce soir participants fortifiés par ta présence glorieuse, mon roi, qui ne fait jamais défaut, Père. Tu es vraiment l'étoile brillante du matin. Le consolateur des affligés, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est lui qui relève l'indigent, mon bénémoine, Père Tibissant, et les faibles. Tu es la force du faible, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais pour nos pères. Ah, nous sommes venus avec allégresse, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, dans ta maison à toi, Père. Voici ton peuple rassemblé en cet endroit, Père Dieu, étant aussi fortifié, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer. Seigneur, mais il est là pour pouvoir chanter les chants de Sion pour toi, parce qu'il sait que tu es son Dieu. Il sait qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Peu importe les temps, mais nous avons confiance en toi, que tu le feras parce que tu as fait la promesse, Seigneur. Nous sommes heureux, Père. Merci pour le chant des cantiques, mon roi. Merci aussi pour la force de ton peuple à toi encore ce soir. Merci aussi, Père du Saint-Dieu, pour l'adoration, les prières, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour le psaume et pour tout, Père. Tu es vraiment le Dieu qui nous montre les chemins à pouvoir suivre parce que tu es le même chemin, Père Saint-Dieu. Nous te disons merci, Père, pour la chorale, pour ce qu'ils ont chanté. Seigneur, Père du Saint-Dieu, nous te disons merci pour tout, Père, oh Dieu, pour les instrumentalistes. Père Dieu, Seigneur, tu nous soutiens. Vraiment, tu pourvois à nos besoins dans tous les domaines, mon bénémoine, Père Dieu. Il ne nous manque rien, mon Seigneur Jésus, parce que tu es vraiment présent pour nous, Père Saint-Dieu, dans chaque situation, circonstance, mon roi. Malgré les difficultés, mais tu es toujours présent. Sois donc béni et glorifié, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre soutien, notre rédempteur. Sois donc béni et glorifié. Car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion encore ce soir, qui sont aussi bénis, car nous t'avons prié ainsi, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons vraiment lui dire merci pour ce qu'il est pour nous et pour l'heure. La force qu'il nous donne, les secours qu'il ne cesse de pouvoir nous apporter. Chaque jour, comme le Seigneur l'a dit, suffit sa peine. Il nous donne la grâce de pouvoir être dans sa maison. Et nous sommes heureux de pouvoir vraiment y être pour pouvoir le louer. Et surtout encore dans un temps comme celui-ci, quand nous voyons réellement combien le soleil commence à se coucher. Nous savons qu'effectivement que très bientôt, nous sommes de ceux-là qui savent qu'effectivement que nous allons rentrer à la maison. Et nous soupirons après cela parce que nous réalisons que notre séjour sur la terre tire à sa fin. Et nous avons un chez nous et nous avons ce désir de pouvoir rentrer. Mais avant cela, il nous est nécessaire de pouvoir faire ce qui lui est agréable. Parce que nous ne pouvons pas partir comme ça sans avoir accompli ce qui lui est nécessaire. Parce qu'il y a une grande promesse que Dieu nous a faite, à nous qui sommes réellement son peuple, auquel il rend aussi des témoignages, effectivement, et pour lesquels aussi il a eu à pouvoir aussi crier dans ce temps aussi, « Sortez donc du milieu de mon peuple. » Nous le sommes, et puis il a bien insisté en disant, « Ne touchez rien à ce qui est impur. » Séparez-vous, c'est là la décision de notre Seigneur de pouvoir nous séparer. C'est son ordre, en fait, à son endroit. Et étant donc à lui, nous devons toujours veiller à ce que nous puissions observer si réellement nous sommes séparés de tout ce qui ne lui plaît pas, effectivement, et qui ne peut pas arriver à pouvoir aussi rejoindre son cœur. C'est à ces choses-là que nous pouvons arriver à pouvoir aussi prêter attention, parce que comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous travaillons avec Dieu. Et voici donc, comme il a dit, donc, au temps favorable, je te secourrai, je t'exaucerai. Voici donc ces temps favorables, effectivement. C'est ainsi qu'il nous dit, mais quel pari y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel pari y a-t-il entre les fidèles et l'infidèle? C'est-à-dire qu'en fait, nous devons vraiment être prudents et conscients
Nous vivons dans un monde qui nous environne effectivement aussi, et nous faisons partie de ce que ce monde est d'une certaine manière ou d'une autre, parce que nous subissons ce qu'il y a dans ce monde, mais nous avons quelque chose de tout à fait particulier. C'est merveilleux parce que c'est cette chose-là qui doit être privilégiée davantage. C'est un trésor que nous portons dans des vases de terre. C'est la vérité que vraiment nous avons reçu ce privilège de la part du Seigneur de pouvoir avoir cette part, comme l'apôtre Pierre le dit aussi, que comme sa divine Dieu, puissance nous a tout donné. Et cela aussi avec cette parole qui dit en fait que, je crois que nous devons quand même le lire dans 2 Pierre chapitre 3, c'est cela que je pense. Non, 2 Pierre au chapitre 2, je pense que ça doit être cela. Dans 2 Pierre, il nous dit cela. C'est aussi important pour nous. Alors, pardon, voilà, c'est 2 Pierre au chapitre 1. Il nous dit ici, au verset 3, il dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » C'est vrai, non? C'est merveilleux de pouvoir quand même le lire et pouvoir réaliser que Dieu nous fait savoir, effectivement, qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, il nous a privé de rien. C'est-à-dire que nous qui marchons aujourd'hui, peu importe tout ce que nous pouvons aider d'une certaine manière ou d'une autre, que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu te bénisse richement. Et là, il nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous savez, la piété, vous savez, c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons en nous la capacité d'être, quand quelqu'un s'approche de nous, qu'il puisse avoir sentir effectivement cette nature de Dieu que tu dégages. La piété, c'est vraiment être comme Dieu, avoir le même sentiment, la même manière de pouvoir réagir à l'endroit d'une personne. C'est-à-dire que ces sentiments qui est dans le Seigneur, à l'endroit de ton frère ou de ta sœur, c'est ce même sentiment que toi, tu es censé pouvoir avoir. Et ces sentiments-là, c'est déjà en toi. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque nous entendons la parole de Dieu, un fils de Dieu, n'oubliez pas ce que vous entendez, je vous en supplie de tout mon cœur. N'oubliez pas ce que vous entendez, parce que quand vous produisez quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, et que votre cœur est endurci contre un frère et contre une sœur, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas de Dieu. Je le répète encore, quand votre cœur est endurci contre un frère et contre une sœur, et que vous n'arrivez pas à pouvoir, alors vous n'êtes pas de Dieu, il est impossible. Je vais vous le prouver encore dans l'essai. Afin que vous puissiez pas vous dire, non frère, parce que moi je suis un fils de Dieu, il est impossible. Et ça, je le répète encore, il est impossible que tu sois un fils de Dieu et une fille de Dieu. Alors tu peux aussi être assis, croyant, comme tu dis, je suis croyant, j'aime bien Dieu. Parce que tu penses, oui, moi je me prépare moi seul. Il est impossible que tu puisses te dire, je me prépare seul, mais sans pour penser à l'autre. La Bible te dit que portons les fardeaux les uns des autres. Je vais vous montrer quelque chose, s'il vous plaît, puis nous continuerons ici. Regardez bien, pour que vous puissiez voir que cela est vrai. Il y a eu deux enfants, Caïn et Abel. Et Dieu a parlé vraiment à Caïn. Donc, dans ce cas, c'est pas qu'il dit, mais c'est Dieu lui-même qui a parlé. Nous venons le lire probablement dans le livre de la Genèse, je pense que c'est cela. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, il est bon. Il veut que nous puissions le servir vraiment avec un cœur de reconnaissance. Lorsque nous entendons sa parole, alors nous nous retrouvons. C'est-à-dire que
quand la parole vient, elle sort, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu te retrouves. Et tu prends plaisir à la parole de Dieu, et quand la parole même te corrige, toi, parce que les démons, le fils du malin, ne peuvent pas changer. Et puis, la repentance, ils ne peuvent pas avoir la repentance. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pour ça que, que Dieu m'aide, qu'il nous aide. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, je pense que c'est cela. Je redis, je vais lire dans Genèse, parce que c'est pour ce que nous pouvons comprendre. Regardez comment est-ce que les frères qui ont pu voir Pierre entrer chez un païen qui a prêché la parole, le Saint-Esprit est descendu, vous vous souvenez, nous en avons parlé ici, qui ont eu à pouvoir voir, mais Pierre a commis quelque chose qui n'était pas correct, conforme aux Saintes Écritures, vous vous souvenez? Mais maintenant, quand Pierre a relaté effectivement la chose, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Il dit, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils soient sauvés. C'est que la repentance n'est pas une chose facile. Que quelqu'un puisse se repentir et pleurer, dit Seigneur, j'ai vraiment mal agi, il doit avoir quelque chose de Dieu en soi. Autrement, Genèse, nous pouvons lire, je pense que c'est cela. C'est que Genèse au chapitre 4. Alors, vous permettez que je lise un peu beaucoup. Hein. Adam, verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut donc berger et Caïn fut donc laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu. » Vous entendez? C'est le Seigneur qui vient, qui lui parle. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche donc à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Il lui donne vraiment des conseils. Il lui dit même ce qui se passe. Il sait très bien parce que il avait vu les desseins de la haine de Caïn dans le cœur à l'endroit de son frère Abel. Maintenant, Dieu, dans sa bonté, parce qu'il aime l'homme, bien sûr, il vient pour frapper, pour insister, effectivement, il dit, mais le péché s'écoute là, à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Vous savez pourquoi les désirs de péché se portaient vers lui? Mais il attire les péchés. Parce qu'en fait, la nature même qu'il avait. Est-ce que vous comprenez? Et puis il lui dit, mais toi domines sur lui. Il lui donne encore un bon conseil pour le faire comprendre que tu ne dois pas faire ce que tu dois faire. Ne le fais pas. C'est ce que la Bible nous dit aussi quand on entend la parole de Dieu. Frère ne fait pas, sœur ne fait pas, frère ne fait pas, sœur ne fait pas. Et quand on sort effectivement, et les malins viennent. Oh, tu sais, ce qu'il t'a dit, c'est pas vrai, tu dors dans la... C'est-à-dire que l'endurcissement de ton cœur témoigne de la nature que tu as au-dedans de toi. Regardez bien, il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Après avoir entendu ce que Dieu lui a dit. C'est quand même extraordinaire. Dieu vient te dire qu'il a vu que tu as cette haine, il y a cette haine dans ton cœur, effectivement. Ne fais pas ce que tu dois faire, effectivement, parce que les péchés te poussent à pouvoir le faire. Mais ne le fais pas. Cette haine que tu as contre ton frère, ne le fais pas. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn... Vous savez, Abel n'avait rien fait, hein. C'est-à-dire qu'Abel lui a dit un mauvais mot, je ne sais pas moi, Abel, c'est là. Non, Abel était toujours s'occupé. Mais là, Caïn, la Bible dit, effectivement, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn,
où est ton frère Abel? Vous entendez comment commence à parler là? Où est ton frère Abel? Vous voyez, écoutez bien la réponse qu'il dit aussi. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est l'attitude que souvent nous avons. Il n'a qu'à s'occuper parce que moi, de toute façon, moi, je dis, non. Mais tu dis, est-ce que moi, non, c'est pas possible. Frère et soeur, c'est ça le problème. C'est cela qu'on voit combien l'ennemi a déjà pris possession de toi. Parce que, vous savez, quand on est enfant de Dieu, on est né de Dieu, c'est impossible, je le répète encore, de combattre la vérité parce que la vérité est en toi. On peut être avoir été effectivement aussi entraîné dans quelque chose, effectivement, bon, comme également, mais quand la vérité sonne à ta porte, c'est impossible de ne pas bouger, frère et sœur. Tu ne peux pas rester la même. Parce qu'on dit, il est dur, elle est dure. Non, monsieur, c'est pas la nature divine, ça. Jésus-Christ, notre Seigneur, était tendre et doux. Cette tendresse, je n'ai pas dit qu'il faisait des compromis quand même. Hein, donc vous comprenez, bon. Bon, ce n'est pas pour pouvoir mélanger les choses comme ça. Non, la dureté d'un être humain n'est pas des dieux. Les gens qui sont durs, on les connaît, ils sont toujours durs. La tendresse, ils sont durs. Non, c'est pas la nature de Dieu. Vous pouvez justifier tout ça par, je ne sais pas moi, explication. Je vous le répète encore, c'est la nature de Satan. Jamais des dieux. Alors si toi, frère, si toi, sœur, tu es dans cette catégorie, il faut faire très attention. Tu dois être doux avec tout le monde. Mais surtout pas avoir la haine de ton frère, de ta soeur, effectivement. La dureté de tout le monde, c'est une chose que tu ne dois pas avoir fait. Parce que c'est pas la nature de Dieu, effectivement, dedans les temps. Oui, parce que on le voit, effectivement, en réalité ici. Lorsque la parole de Dieu vient à nous et que nous endurcissons nos cœurs, n'oubliez pas comment Dieu parle, effectivement, dans les Saintes Écritures. Dans le livre des Hébreux, je pense, chapitre 4. Il répète encore en disant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas si vous pouvez voir tout ce parcours que les enfants d'Israël ont pu avoir. Le cheminement, vous remarquez très bien que quand Dieu les a fait sortir, effectivement, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il a fait sortir son peuple. Mais il a démontré par le chemin qu'il y avait quand même parmi ceux qui étaient sortis et ceux qui étaient de son peuple et ceux qui n'étaient pas de son peuple. Vous savez pour quelle raison, de quelle manière cela s'est démontré? Vous le savez quand même, non? Bien sûr que oui. Hébreux, chapitre 4. On peut peut-être vous lire encore Genèse 4 après. Hébreux, au chapitre 4, il nous l'a dit. Oui, c'est voilà, c'est ça, c'est ce qui c'est ça. Hébreux chapitre 4. 3 d'abord, c'est cela. Oui, c'est 3. Hébreux 3, verset 7, il dit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, Hébreux 1, n'endurcissez pas vos cœurs. Et puis, on continue, il dit, mais comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, hein, et j'ai dit, mais ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous savez qu'ils étaient sortis, effectivement, pour prendre possession de la terre de Canaan. Vous le savez, c'est écrit dans la Bible, effectivement. Quand ils sont sortis tous, effectivement, ils disaient, mais nous allons entrer dans le Canaan. Mais pendant le parcours du Canaan qui marche, souvent vous entendez cela, pendant ce parcours, mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Le fils du malin ne peut pas. Les filles esclaves ne peuvent pas hériter avec les filles de la promesse. Ça, c'est dans Galates au chapitre 4. Vous connaissez?
élu. Oh, oui. Vous avez vu comment le fils de Sabas, comment s'est comporté. Que Dieu nous aide. Je pense que c'est cela. Nous y sommes, nous y arrivons, et nous y arriverons, nous allons y arriver. Ah, voilà, c'est ça. Je pense que je suis. Voilà. Chapitre 4. Verset 20, on peut prendre. Mais peut-être verset 19, je vais lire un peu beaucoup. Hein. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit formé en vous. Vous entendez cela? Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer les langages car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. À cause de ceux qui veulent amener le peuple de Dieu toujours à voir telle personne au lieu de pouvoir l'amener à la parole. Vous vous souvenez? C'est ce qui est écrit. Hein. Alors, dit, mais dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave, un de la femme libre. Vous me suivez? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit donc en vertu de la promesse. Ces choses sont donc allégoriques parce que ces deux femmes sont deux alliances. L'une de Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, elle est Mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est donc dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient donc mariées. Pour vous, frère, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais alors, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave, n'héritera pas avec le fils de la. Voilà. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclavage. Mais nous sommes la femme libre. Vous voyez bien, frères et sœurs, que quand ceux qui sont sortis, ils devaient aller prendre possession de l'héritage. Dieu ne mélange pas les choses, mon frère. C'est à qui, auquel la promesse a été faite, ce sont ceux-là qui doivent arriver à pouvoir prendre possession de la promesse. Il avait dit, un Isaac sera nommé pour toi, donc une postérité. Est-ce que vous suivez? Il dit, ta postérité, donc ta descendance sera étranger dans un pays, mais je les ferai sortir. Et je les conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On peut être dans la foule, mais dans la foule, hein, il y a des fils et des filles de Dieu. Il y a aussi la sémence du malin. Ça, on le remarque par la nature, en fait. D'action, de réaction, effectivement, qu'on peut. Parce que un fils de Dieu, oui, frère, il peut y avoir un petit différent avec un ou l'autre, mais jamais la haine qui peut monter dans ton cœur. Lui, je ne le veux pas, je ne le veux pas, je ne le veux pas. Ça, c'est pas dans le trou d'un fils de Dieu. Quand une chose comme ça se manifeste en toi, demande qu'on prie pour toi. Parce que si tu laisses là s'enraciner, jamais tu ne verras le Seigneur. Vous allez, vous entendez quand les bignes, c'est seul l'amour divin. Et ça, c'est la vérité, mon frère. C'est pour ça qu'on nous dit dans 1 Pierre, vous pensez, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel. Puisque vous avez été généré, non pas par une semence corruptible, mais une semence. Hein? Vous voyez, frère et soeur, donc, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour que cette nature divine de Dieu puisse arriver à pouvoir prendre place en nous. Et pour ça, on dit, comme sa divine puissance nous a tout donné. Le Seigneur t'a donné que tu puisses aimer ton frère, puisses aimer ta soeur,
tu puisses arriver à pouvoir le supporter, même s'il est comment tu supportes effectivement les frères ou la sœur, aussi longtemps qu'il veut s'accrocher à la parole de Dieu. Et on nous dit, nous devons toujours nous exciter par la haine. À l'amour, c'est écrit dans la Bible. Oui, simplement, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il faut que ton frère à toi, ta soeur à toi, tu puisses arriver à pouvoir. S'il est un fils de Dieu qui va pouvoir tomber, il faut le repousser, effectivement, le pousser dans les choses qui sont de Dieu, afin que la nature divine puisse se manifester dans la personne. Et alors, il nous dit, nous continuons dans le... Oui, Galates, tout ça, nous avons lu, effectivement, et Genèse, vous avez, vous connaissez effectivement la suite, non? Alors, nous revenons dans 2 Pierre que nous avons lu, effectivement, que nous pouvons voir cela, puis bon, et nous terminerons dans les dans 2 Pierre. Il nous dit, là, il nous fait donc parler de cela. Voilà. Alors, nous faisons savoir, voilà, au chapitre 1. Donc, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue donc à la vie. Donc, le Seigneur notre Dieu ne vous a privé de rien. En tant qu'enfant de Dieu, oui, bien sûr, en tant que fils et fille de Dieu, tout ce que Dieu veut que soit en vous, eh bien, cela doit être en vous. Parce que la Bible nous le fait savoir, hein. Je pense que, quelque part, je suppose qu'il est dit aussi, c'est probablement dans le livre d'un Pierre, probablement, qu'il exprime cela aussi. Je pense qu'il nous fait savoir combien, comment Dieu, qui nous a appelés, et vous voyez bien, je voulais que nous lisions dans 1 Pierre. Nous retournons simplement à la page, hein, nous étions dans 2 Pierre, donc seulement à la page, dans 1 Pierre au chapitre 5, il nous dit quelque chose que je voulais que nous lisions ensemble. Il dit. Et nous pouvons relire chapitre, c'est ça, chapitre 5, je pense, hein. 1 Pierre chapitre 5, et à partir du verset 5. Vous y êtes? De même, vous qui êtes jeunes, soyez donc soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ça, c'est la chose qui manque à beaucoup. On a beau partir exprimer, l'humilité est quelque chose de, c'est la nature, c'est Dieu, c'est comme ça qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est ce qu'on nous dit de notre Seigneur. Mais alors, comment toi, tu vas désirer toujours te prendre pour quand même quelqu'un de plus important que les autres? Lui ne s'est point arraché à être l'égal de Dieu. Donc, si l'Esprit de Christ est en toi, tu peux pas chercher les grandes choses. C'est pas possible. Attirez-vous et traitez par les choses qui sont donc simples, ainsi de suite. Et Dieu vous élèvera au temps convenable. C'est écrit aussi. Mais le diable, il aime sa possède, ça fait ses enfants, c'est mince, hein. Aime toujours des choses à plus grand. Je vais être. C'est comme ça, mais je vais monter, je vais faire, je serai. Et puis, c'est comme ça, les diables, ils disent, mais c'est quel, je veux. Et puis, c'est comme ça que ses enfants, toujours, je veux. Mais les enfants de Dieu disent, que le Seigneur m'accorde la grâce. Si le Seigneur lui veut qu'il fasse ce qu'il veut, mais jamais la tête, je veux pas, non. Toujours, Seigneur, aie pitié de moi. Si tu veux que je fasse ici, Seigneur, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, je ne vais pas m'y opposer. Alors, de même, vous qui êtes jeunes, donc, soyez donc soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est la vérité, non? Il a dit, même dans, il nous fait comprendre, l'humilité précède la gloire et l'orgueil toujours la chute. Voilà. Mais il fait grâce aux humbles. Résiste aux orgueilleux. C'est vrai, hein. Alors, toi et moi, si nous sommes intelligents, dis, Seigneur, là où j'ai entendu que tu fais grâce, laisse-moi m'accrocher. Amen. Que Dieu nous aide, frère et sœur. Il faut connaître la nature de Dieu. Je m'accroche là, conquis, confort, c'est dit, Seigneur, tu as dit l'humilité. Je ne vais pas hausser ma voix. Je ne vais pas parler contre nous. Non, Seigneur, et que tu ne Alors là, il dit, mais je sais que par là, je trouve grâce à tes yeux. Alors, partout où je passe, je trouve grâce. Que Dieu te bénisse. C'est le secret, mon frère. L'orgueil fait en sorte qu'effectivement, que même les gens du monde vous sentent, ils disent, il est tellement orgueilleux. Il ne vaut rien, mais c'est pas pour. Il s'est pas pour. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais c'est lui qui est aimé. Ah, c'est lui-là. Tu vois, même dans la nature, hein, tu reconnais. Bon, nous continuons. Il dit bon. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que son nom soit béni. Voyez-vous, l'humilité, c'est bon, hein. Afin qu'il vous élève autant. Voilà, parce que celui qui s'élève lui-même, Dieu va la baisser.
Et toi qui t'humilies, effectivement, qu'on dit, oh, il est comme ça, il vaut rien, pas de problème. Mais autant marqué, Dieu va t'élever. Bien sûr que oui. J'aime beaucoup Esther. Vous connaissez, nous? Bâti était très élevé. Vous savez comment on en a? Son mari lui parle, effectivement, orgueilleuse. Il dit, il se prend pour plein parce qu'il était la plus belle. Comme c'est, mais moi, je suis, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que moi, blablabla. Quand tu t'élèves comme ça, tu dis que pour moi, tout est barricadé. Il y a rien. Non. Dieu va t'abaisser. Et il a pris qui, ce Dieu-là? Il a pris celle qui était là. Vous savez comment elle était? Elle avait perdu ses parents. Vous connaissez, non? Il n'avait que son nom, Mardoché. Mais soumise! Respectueuse à Mardoché. Torchonnant! Oh, que Dieu nous aide, frère. On prie pour qu'il y ait des sœurs comme ça. Mais tous aujourd'hui sont révoltés. Ils veulent toujours des droits. On trouve une femme. Ah non, moi je vais dire, ce sont toujours les femmes qui mènent tous les hommes avec leurs bâtons. À la maison, qu'ils soient des frères, c'est comme cela. Toujours des femmes. À la maison. Et puis ici, gloire à Dieu. À la maison, il prend les fouets pour son mari. Hein. Son mari marche sur le bâton, dit, gloire à Dieu. Et quand vous voyez à l'église, oh, plus sainte que celle-là. À la maison, une bombe atomique. Vous savez, il y a des hommes qui ils sont allés au travail. Il est tellement fatigué, il dit, bon, je rentre à la maison. Mais quand il commence à penser à sa maison, à sa femme, il fait 400 tours autour de la maison. Avant d'entrer, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qui va m'attendre? Il n'a pas d'épée, parce que, vous le voyez, il est venu à l'assemblée, là, il est en train de me, c'est moi qui écoute la parole de Dieu, le soutien, puis il me dit, mais que ma femme entende au moins, mais quand on sort, là, même quand on n'a pas, quand le Seigneur a parlé, la femme sort, c'est pas une vache, hein, mais un taureau. Donc la femme devient un taureau. On veut toujours qu'on vous donne des droits. Mais après, on vous donne. C'est long. Et puis c'est le temps aussi, hein. Ah, je dis la femme. Les droits. Vous en avez, vous savez, aujourd'hui, vous avez des droits qu'on vous donne. Les hommes n'ont pas de droits. Oui. Allez-y au tribunal. Femmes et messieurs. Donc, mesdames et messieurs, vous allez voir à qui aussi on donne des droits. C'est pour ça, frère, n'essayez pas. Accrochez-vous au Seigneur de tout votre. Que Dieu nous aide. Mais non, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Et que Dieu nous aide parce que nous vivons dans un monde, effectivement, où tout est... Ah ben oui, bien sûr, effectivement, ça vous le savez. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et puis, il nous dit, c'est pour ça que je répète encore, toi, sœur, n'élève jamais la voix sur ton mari. Et puis, toi, sœur, dans la maison, ne sois pas celui qui... donne des autres, enfin, parce que souvent, c'est ça la tristesse, effectivement, que la sœur est tellement dure, c'est un esprit mauvais, hein. Il est tellement dur que les frères, maintenant, pour prendre une décision, pour quand même, dans une situation où il y a pas qui voit bien qu'il faut faire ça, il peut pas le faire parce que la femme lui impose. Alors, une maison comme ça, c'est une maison maudite. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous pouvez danser, vous pouvez chanter ici, une maison comme ça, elle est maudite. Jamais Dieu va bénir. Parce que les rôles sont renversés. C'est à l'homme d'être la tête. De pouvoir dire, ceci est faux, ça c'est bon, on fait ça. Mais quand tu as peur de la parce que ma femme est comme ça, il est toujours derrière. Pendant... Frère et sœur, c'est une mauvaise situation. Et un homme qui est comme ça, c'est difficile pour que Dieu puisse agir davantage. Parce qu'il a abandonné son droit, effectivement, pour que la femme... Alors vous qui êtes des sœurs, si vous êtes des filles de Dieu, n'influencez jamais vos maris. Dans une situation, c'est l'homme qui doit décider. Et puis, il ne faut pas être dans ça. Bon, tu sais, tu décides, hein, mais tu connais quand même ma volonté. Hein. Alors, comment veux-tu les laisser décider? Tu dis, bon, toi, tu prends la décision. Tu es le mari, comme la Bible dit. Mais moi, tu connais ce que moi je veux. Attends, alors, comment voulez-vous qu'il prenne la décision? Non, c'est vrai que Dieu ait pitié de nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Hey. Car lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin. Vous. Donc tous nos soucis, comme notre tous mes soucis. Non. Comment on chante encore, mon grand? Mes soucis, tous mes soucis. Mon sauveur les a pris. Hey, alléluia! Amen. Oh oui, monsieur. C'est ça le secret.
Eh oui. Déchargez-vous sur lui de tout vos soucis. Et qu'est-ce qui va se passer? Et lui-même prendra soin de vous. Même si ça tarde, il va. C'est sa parole. Il veille sur. Alors, toi, donne à ces dieux la possibilité de pouvoir agir. Alors, verset 8, il dit, soyez donc sobre. Vous suivez? Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il. C'est pour ça, vous voyez, qu'on parle, effectivement, nous sommes en combat tout le temps. Le diable, il ne va pas vous laisser tranquille. Mais vous savez que la parole de Dieu est un bouclier. Que Dieu te bénisse. Aussi longtemps, ma sœur. C'est comme, je voulais toujours à pouvoir vous répéter ici, parce que je sais que beaucoup de gens nous entendent, effectivement, vous me trouvez comme quelqu'un qui est de Moyen-Âge. Ce n'est pas un problème. Je vous ai toujours dit, sœur, toi, comme la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Qu'il soit, je ne sais pas moi, comment toi restes dans la soumission. Et c'est dans cette obéissance de la soumission-là que Dieu va te bénir. L'homme peut faire, il va penser que, et bien, parce qu'il sait très bien, parce que tu es une fille de Dieu. L'homme ne peut pas te prendre comme un torchon ou un déchet, parce que tu es honorable là. Je ne sais pas, sœur, mais c'est parce que parfois, on ne réfléchit pas de la bonne manière. Parce que quand l'homme crie, tu veux aussi crier. Tu n'as pas à faire ça. Toi, reste à ta place et dis, Dieu a fait de moi ce que je suis. Et il m'a donné ma place à moi. Alors, si l'homme ne fait pas ça, ce qu'il doit faire, effectivement, il fait de moi, mais Dieu va agir dans son endroit. Moi, l'obéissance à la parole est ma protection. Si je sors de là, Dieu ne va pas agir pour moi. Mais aussi longtemps que je suis là-dedans, enveloppé, il boxe, il fait tout, je dis, Seigneur, sois béni. Je reste toujours. Oui, mais ça, c'est parce que quand il a fait cela à ton endroit, il va sortir. Vous savez comment Dieu fait? Il peut faire en sorte qu'il était boxé, non? Il dit, je suis l'homme. Il sort comme ça, il rencontre sur le chemin. Un homme fort, il la boxe, il boxe lui, là, il revient avec des lèvres, il dit, Jean Gabin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne comprends pas, je suis arrivé là-bas, et on a acheté une chose, on a pris, moi, dit, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé directement, il m'a boxé, boxé, ah, tu m'as boxé ici, tu as boxé là-bas. Dieu est capable, bien sûr, et puis quand on l'a boxé, 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 il rentre, il te regarde, ah, Joséphine, pardon, tu as compris maintenant ce que tu m'as fait, mais c'est pas tu restes en ta place, on continue. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable rôde, comme un lion rugissant, je sens qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, que Dieu te bénisse, sans broncher mon frère, sans broncher ma soeur, non. Ça, non, tu restes ferme, ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit, mais, sachant que les mêmes souffrances sont donc imposées à vos frères dans le monde. Donc, par quoi où tu passes, effectivement, sache aussi que il y a un frère, il y a une soeur, parce qu'il croit la même chose que toi. Bien sûr qu'il passe en même épreuve, parce que les diables, il a toujours le même stratégie, il combat toujours tous ceux qui aiment Dieu. Alors, il dit, maintenant, écoutez bien, nous avons vu verset 10, dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'endroit que nous devons être. Pas dans les hommes, pas nous, non, 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 non. C'est en Jésus-Christ. Moi, je veux demeurer là. Ah oui. Et alors, il me dit, en Jésus-Christ, c'est-à-dire à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, j'accepte cela. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère. Chaque enfant de Dieu qui aime Dieu, puisque mon Sauveur a souffert pour cet évangile pour lequel il a versé son sang, moi aussi j'accepte la souffrance. Oui! Je ne vais pas. Lui, il a eu la couronne d'épines, il a été flagellé, il a été haï. Moi, je ne vais pas être là dans de bonnes conditions, dire je vais au ciel. Non! Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alors j'accepte la souffrance. Alors il dit, mais parce que c'est un peu de temps, il dit, c'est lui qui, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même, vous rendra inébranlable lui-même. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père et précieux Sauveur,
Nous voulons vraiment te dire merci. Nous sommes confiants parce que tu es là. Nous sommes confiants parce que tu es vivant. Et nous restons attachés à ta parole, à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Quoi qu'il arrive, oh Père Tibissant, peu importe les souffrances, peu importe les circonstances, mon bien-aimé Père Tibissant, peu importe la haine. Mais que nous ne puissions pas avoir la haine en nous, bien-aimé Père Saint-Dieu. Que nous ne puissions pas avoir détesté un frère ni une soeur, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais que nous puissions porter les fruits, Père Tibissant. Ces fruits, oh Père Tibissant, donne la grâce de pouvoir porter parce que tu as fait cela, comme nous l'avons entendu dans ta parole. Tu nous as tout donné, tu contribues à la vie, à la péter. Au moins la connaissance, celui que nous appelons. C'est vrai, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu as déversé dans ton église, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans ton peuple, à toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Et ce soir, nous te rendons gloire et honneur. Renouvelle encore nos sentiments, les uns envers les autres, mon bien-aimé Père Tibissant-Dieu, que nous puissions avoir les regards tout à fait différents à l'endroit de mon frère et de ma soeur, Père Saint-Dieu. Et que nous avancions, Seigneur Jésus, non pas comme Caïn, nous avancions comme un bel bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas avoir des cœurs endurcis, des oreilles endurcies, Père Saint-Dieu, et des cœurs tout à fait endurcis, avoir toute une nature qui n'est pas de Dieu, Père. Oui, sûr, nous accorder cette grâce de pouvoir être transformés, Père oh Dieu, être changés par toi, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que tu as dit que tu donneras un cœur de chair. Hein. Un cœur nouveau, tu le feras pour nous, Père. Bénis ton peuple, soutiens chaque frère et chaque sœur. Car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon grand, mon vieux, vous connaissez? À l'ouest, le soleil se couche. Vous le connaissez, non? Tu le connais aussi, non? Bah, voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À l'ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course, et je vois combien ce temps est là, pour le temps du coucher du soleil. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. De la course, c'est la fin de tout. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Quelle heure est-il?
See you.